Luga Luga Janema. Chipois Rémi Gonon, le grand journaliste. Petit feu. Vous avez les salaires les plus bas d'Afrique centrale. Vous avez les plus gros problèmes. Vous êtes les seuls à n'avoir rien reçu. Mais vous continuez à supporter un régime qui vous tue. Un régime où vous savez vous-même que vos enfants n'iront jamais, même en allant à l'école, n'iront jamais à l'ENAM. N'iront jamais à l'EMIA. N'iront jamais à l'IRIC. Mais vous dites que c'est la tribu, c'est l'ethnie? Non, Lilian ne connaît pas l'ethnie. Et d'ailleurs, dans les sectes, elle parle de fratère. C'est-à-dire que ton frère est celui qui est avec toi dans la loge. Si vous êtes donc dans les loges avec eux, sachez qu'il y a aussi des grades. Hein. Les frères de Biya, ce ne sont pas des Camerounais. Ses frères sont ici. Sauf que même ici, ceux qui sont dans les loges vont vous dire que si vous voulez entrer dans la franc-maçonnerie, dès que vous tapez, si vous êtes au Cameroun, vous dites, vous restez, votre branche, c'est là-bas au Cameroun. Parce qu'ils sont même détachés. Parce qu'ils savent que certaines choses qui se font là-bas n'ont rien à voir avec les valeurs d'ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir sur Facebook dire que oui, vraiment, un Bami, oh, les Bamis sont nos ennemis, et tout, et tout, et tout. Non, ce n'est pas vos ennemis. Hein. Non. Maurice Kamto n'a jamais pu dire ça. Hein. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui parle. Regardez le discours, lisez le discours de Monseigneur Bakop. C'était le 25 décembre 2005, quand il dit dans quel pays sommes-nous. Un pays où on passe le temps à boire du sang des enfants, à manger leurs organes, à violer la petite fille. Il l'avait dit! Rien que pour le pouvoir. Vous voulez dire que Monseigneur Bakop était con? Qu'il était idiot? Mais libérez-vous! Si vous êtes hanté, eh bien, cherchez à vous libérer. Et non de rester en enfer. Et non de croire que c'est moi votre ennemi. Je parle parce que je suis un esprit libre. Je parle parce que c'est le Saint-Esprit qui m'habite, qui m'interpelle et qui me dit, dis, même si demain ou après-demain, tu seras sacrifié comme Atéba Yéné. Atéba Yéné, c'est moi qui ai fait venir Atéba Yéné à l'époque quand j'étais directeur à Radio Siampou. C'est moi qui lui ai donné pour la première fois la parole dans le cadre de l'émission Le Club Éthique à Radio Siampou. Nous étions toujours en train d'échanger. Mais il a essayé de relever un certain nombre de choses. Vous êtes là-bas. Et vous attendez que les autres organisent tout pour vous. Pour venir vous sauver, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Regardez à côté de vous. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes aimé? Non, vous êtes abandonné. Vous êtes exploité, vous êtes des esclaves des temps modernes. Nous nous sommes battus. Et c'est pour ça que je suis sûr.
rien d'homme de certains sauvages qui, à travers Facebook, viennent pour nous porter critique. Nous prennent comme des infiltrés. Moi, je suis pour les Bingo, non. Infiltrés? Un infiltré qui vous donne tous ces détails? Donc, je suis infiltré. Pour combattre le régime Biya, pour dire tous leurs secrets, pour dire du bien de Maurice Kamto et d'autres. C'est le général Wando qui est infiltré. Sachez que tout ce qui vous parle là à travers Facebook, c'est eux les infiltrés qui veulent casser la révolution, qui ne veulent pas qu'on dise la vérité et qui veulent nous présenter comme le diable. Sachez que le diable fait toujours sermon sous l'ombre du crucifix. Les gens se sont sacrifiés. Comme je l'ai dit, 27 ans de lutte. Aujourd'hui, je suis abasourdi quand je vois des crétins se mettre sur Facebook. Ils n'ont même pas été au Cameroun. Ils n'ont jamais été en cellule. Et ils cherchent à discréditer Wando. Le général Wando, depuis les années 90, se bat. Le général Wando a fui le Cameroun pour aller se réfugier au Nigeria. Du Nigeria au Congo, du Congo jusqu'ici. C'est lui qui a organisé toutes les manifestations. C'est lui seul qui demande les autorisations à la préfecture ici en France. Et les gens se lèvent là, ils sont dans leur studio, ils n'ont jamais rien fait. Ils vous disent, voilà l'infiltré. Wanda, c'est l'infiltré. Je pense que c'est l'infiltré. Tu dis que toi, tu as alors fait quoi? Tu as déjà combattu le régime Biya? Non. C'est que le régime Biya veut me tuer. Il veut te tuer que tu es quoi? Tu es quoi? Tu as fait quoi? Va d'abord aussi d'abord au Cameroun. Ou alors, mets-toi devant. On voit. J'ai vu les jeunes qui sont arrivés dans la révolution. Comme Calibri Calibro. Mais ce monsieur qui est passé par le désert. Mais quel courage! Alors qu'il a refusé de l'argent. Les gens qui, eux, se battent pour de l'argent, font les Facebook uniquement pour se faire des vues ou pour draguer des femmes. C'est eux qui disent que Calibri Calibro, c'est un infiltré, c'est un vendu. Mais si Calibri Calibro était un vendu, après avoir donc dit ça, Calibri Calibro, qui a pu poser l'acte de Calibri Calibro devant Macron au salon de l'agriculture? Qui? Calibri Calibro est allé jusqu'à Lyon. Les combattants qui se présentent là comme des grands combattants ont tout fait pour le piéger là-bas, pour qu'on le tue. Je vais y revenir avec force et détail. Je ne veux pas parler parce que j'ai juré que mon combat c'est contre Biya et son régime satanique. Et non contre les combattants qui combattent les combattants. Comment vous pouvez concevoir que nous sommes dans la lutte et il y a des gens qui nous font des Facebook que pour nous dénigrer? Pour nous rabaisser, ou pour rabaisser Calibri Calibro, Marseille Seigneur Ivoire, ou encore les Amazones. Et ils n'ont rien fait. Et c'est les mêmes gens qui supportent Full Professor. Le Full Professor, dont je vous disais qu'il est un traître, dont je vous disais que c'est lui-même le vendu, l'infiltré. Vous avez vu? Il utilisait le nom de Maurice Kamto quand il était en prison pour vendre ses t-shirts. Quand Maurice Kamto est sorti, exactement comme je vous disais avec Paul-Éric Keynes, que c'est dévendu. Comment vous pouvez dire que vous êtes un combattant et vous supportez faux professeur des États-Unis qui insulte Maurice Kamto? Vous dites que vous êtes un bon combattant.
dont vous êtes l'ami de l'ennemi de Kamto. Et vous dites que vous travaillez pour la révolution. Franchement, il n'est pas temps pour moi d'affaiblir la révolution. Vous ne pouvez pas affaiblir, dénigrer les gens qui ont une notoriété. Si ce n'est pas que vous insultez leur, vous dites qu'ils sont infiltrés, vous allez insulter leur vie privée. Regardez, monsieur. Lorsque vous avez un monsieur comme Richard Bonnat, c'est vaut rien de rien du tout. Se permettre d'insulter un artiste qui est au summum, à l'extrême, à l'optimum de ce qu'on peut appeler la crème de la crème de la musique. Richard Bonnat, une insulte. Lui aussi, c'est un infiltré. Ce n'est que le fou professeur avec quelques petits individus là. C'est eux qui sont les vrais combattants. Mais Richard Bonnat, vous avez vu un monsieur de cette envergure. Il n'aurait pas pu venir encore parler au Cameroun. Mais parce qu'il aime son pays, il vous aime. Écoutez son album. Quelle délicatesse, quelle virtuosité, quelle onctuosité. Où il chante pour Ngardou. Il aurait pu dire, je suis né à Minta, dans la haute Sanaga, comme la première dame. J'aurais pu profiter des nominations, puisque moi, de la grande province du centre, moi Bonnat, Bonnat aurait pu être ministre ou n'importe quoi. Qui après Bonnat, ou bien parce que Manu Dibango aujourd'hui est mort, qui mieux que lui a représenté le Cameroun sur la scène internationale? Qui? Être au Grammy Awards, nominé, vous connaissez ce que c'est? Être primé comme le meilleur artiste du jazz par l'Assassin. Vous connaissez ce que c'est que l'Assassin? Sept titres, méga succès. Avec 27 collaborations. Et dit qui, lorsqu'il touche le boîte, lorsqu'il touche la guitare, les Jacob de Valieux se mettent à trembler. Un boîté cristallin. Mais regardez les couillons de service qui viennent insulter Bonnat. Vraiment, Richard Bonnat, je te rends hommage parce que tu es un vrai patriote. On t'a refusé d'aller au Cameroun, d'aller assister à l'enterrement de ta maman. On t'a refusé le passeport. Mais tu as toujours porté cet amour de ton pays. Tu es le vrai patriote. Pas ceux qui sont là, qui dansent à Califourchon, qui cherchent des petites miettes. Qu'est-ce que nous, on cherche derrière la révolution? Moi, je n'ai jamais obtenu un centime. Ni Wangto, ni Bonnat. Parce qu'on peut être à l'abri du besoin. Mais les autres qui parlent là, tu lui demandes, tu travailles où? Il ne peut jamais te dire. Mais regagner la brigade des Sardinards. Si nous nous taisons, c'est parce que nous ne voulons pas fragiliser le combat. Mais à force de fragiliser le combat, nous serons obligés. Parce que moi, je suis journaliste. Je vous ai tous identifié. Loga, loga, j'en ai marre. Je sais que vous voulez vous fuir. Chipois Rémi Gonon, le grand journaliste.